Pom. 'Enfin, vous voilà! Je ne vous connais pas et pourtant je vous déteste déjà, c'est très étrange. Vous n'allez tout de même pas oser défier le roi des otaku en personne, vous êtes tombé sur la tête, ma parole à votre place, j'en rentrerai gentiment chez moi. Bon, pour ma toute première vidéo, aujourd'hui gros on va parler de mangas. Ces célèbres dessins animés chinois à la fois violents et sexuels. Et ça tombe bien, parce que nous les otaku, on aime bien le sexe. On aime bien le sexe et on aime bien la violence aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler d'hentai. Dragon Quest Dai no Daiboken est un shonen manga sorti en... Attends, mais c'est quoi tous ces dessins que tu m'as refilé, otaku? Il y a tout le casting féminin qui se fait défoncer le cul là-dedans. Ce sont des doujins mangas. Fils de pute, va. Allez, espèce d'enfant putain, va. Oh oh. Donc, Dragon Quest Dai no Daiboken, la quête de Dai en français, est un shonen. Pour ceux qui dorment au fond de la classe, ça veut dire manga pour jeunes garçons. Le manga est dessiné et écrit par Koji Nada et Riku Sanjo, aussi auteur de Beat the Vandalbuster. Et on en reparlera de Beat. Ça a été prépublié dans le Weekly Shonen Jump entre 1989 et 1996. Et c'est édité en France-Belgique par Tonkam. Il y avait aussi une édition dégueulasse dans le temps par J'ai lu, mais ça on s'en bat les steaks. Si le manga vous dit rien, il y a eu une adaptation en France qui s'appelait Fly. Fly, le plus grand des héros, c'est Fly. La nostalgie, mon pote. Bref, on ne va pas s'intéresser à l'animé parce qu'il se termine pile au moment où le manga devient le plus prenant. C'est vraiment dommage, même s'il y a eu quelques films, ça ne suffit absolument pas à me rassasier. Dragon Quest Dai no Daiboken, je vais dire Fly. Fly s'inspire dans le plus grand des calmes de la célèbre série de jeux vidéo Dragon Quest. Et là, je suis obligé de t'en parler un minimum quand même. Dragon Quest, c'est ni plus ni moins que la maman de tous les JRPG. Et c'est une putain de MILF. J'aime pas trop ce mot, moi, JRPG. J'ai l'impression que ça veut juste dire... Oui, c'est un petit peu trop original quand même. JRPG, hein, faut bien souligner RPG, mais du Japon. Et là, tu te dis, c'est quoi la différence entre un JRPG et un RPG occidental? Eh bien, la voici. Occident. Japon. Oh, c'est bon, je déconne. La série des Dragon Quest a plusieurs qualités certaines. 1. Son atmosphère héroïque fantasy plutôt colorée. 2. Des scénarios simples avec des héros, des dragons et des sorts magiques. Et 3, bordel de merde, le design des monstres et des personnages dessinés par le Saint-Père, Akira Toriyama. Si vous n'avez jamais vu Dieu en personne, le voici. Tu sais ce qui est génial? C'est que Fly a les mêmes qualités que la série Dragon Quest. Il se trouve que j'avais oublié de dire cette phrase devant la caméra. Et oui, ceci est une chaise. C'est-à-dire un meuble destiné à ce qu'une personne s'assoie dessus, muni d'un dossier. Et maintenant, je vais un peu te résumer le scénario. Oui, c'est ça, voilà. 15 ans avant le début de l'histoire, le roi du mal Hitler, Adlar, semant la terreur grâce à son armée de monstres, se fit anéantir par un héros. Donc d'entrée de jeu, on t'annonce, oui, le méchant principal est mort, voilà, ça c'est fait. Fin. Je déconne, 15 ans plus tard, on rencontre le personnage de Dai, petit garçon stéréotypé de shonen, qui me fait beaucoup penser à Sangohan quand il était tout petit, qui vit paisiblement sur l'île de Dermlin, en compagnie de monstres, dont l'un est son grand-père adoptif. Malheureusement, le roi du mal est ressuscité, et un héros du nom d'Avan arrive sur l'île avec son disciple Pop, pour faire de Dai un héros surpuissant qui sera capable de vaincre le roi du mal. La formation de Dai et son ami Pop n'arrive pas à terme, car le roi du mal, bien plus puissant qu'auparavant, livre un féroce combat contre le maître Avan, qui se retrouve obligé de se sacrifier. Hitler survit mais se retrouve grandement affaibli et se barre comme un voleur. Pour venger leur maître et aussi sauver le monde, Dai et Pop vont quitter l'île et affronter l'armée du mal. Trop original cette histoire! Tu regardes que des school live et des putains de ecchi. Tu passes ton temps à la ramener. Fly, il y a un scénario simple au premier abord, mais ça se complexifie après genre tome 9. Ça devient un petit peu Dragon Quest Z. Donc oui, le scénario de base n'est pas ultra original, mais crois-moi, on s'en bat les couilles. Déjà de One, les combats sont géniaux. Ça va du combat loyal surcheaté au combat tactique asymétrique à 2 ou 3 contre 5 par exemple. 2, les personnages bordel. En fait, ils sont assez stéréotypés à la base. On a Dai, le jeune garçon qui rêve d'aventure, Pop le magicien trouillard qui sert de faire valoir à Dai, Mam la meuf sexy garçon manqué, Yunkel le beau gosse taciturne, et puis Adlar, le roi du mal. Est-ce que je dois t'expliquer en quoi c'est stéréotypé de s'appeler roi du mal et d'avoir cette gueule? Non, je ne pense pas.
etc. Mais en fait, tous les personnages du manga sont trop bien. Ils sont tous développés, blindés psychologiquement, à tel point que... Tu es obligé de t'attacher à eux. Je vais t'expliquer ce que j'entends par psychologie, gros. Ça n'a rien à voir avec tes conneries de... Mirai Nikki ou... Oui, la psychologie, c'est quand Raito, il veut tuer elle. Non. Ce n'est pas ça du tout, espèce d'idiot. La psychologie, tu vois, c'est plutôt quand on te présente un personnage tome 1 et que tome 37, donc à la fin, il a plus rien à voir. Et là, tous les personnages ont un intérêt. Je suis pas en train de te parler de Tenten ou Shoji. Sont pas les couilles de ces personnages dans Naruto. Si t'as un problème, viens t'expliquer en commentaire. On va régler les enroules, Kardesh. C'est bien beau d'avoir 60 tomes remplis d'aventures, mais... Quand je dis psychologie, je parle pas de changer à un moment précis, tac, comme ça. Ce qui est génial dans Fly, c'est que c'est ultra progressif. Du coup, c'est réaliste parce que tu peux pas changer ta façon d'être en 2 minutes. Ça a aucun putain de sens. C'est un long chemin. Et le meilleur exemple que j'ai, c'est Pop, mon personnage préféré. Et un des personnages les mieux écrits que j'ai vu de toute ma vie. Et je suis grand, hein. J'ai 21 ans, hein. À la base, Pop est un trouillard lâche qui abandonne ses amis et qui n'a aucune confiance en lui. C'est vraiment au fur et à mesure des tomes qu'il va s'endurcir. Il sera jamais totalement parfait, il va juste surmonter ses défauts. Il va pas les effacer comme par magie, il va transcender ses faiblesses constamment. Il aurait même pu être le héros principal tellement il devient badass. Il fait flipper même les méchants les plus balèzes. En plus de devenir puissant, il est très malin et nous offre du mind game à la Jojo bizarre. Pop te montre que le courage c'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'agir malgré la peur. Et ça change tout. Écoute, je ne sais pas, c'est tellement bien fait. Tu as limite l'impression qu'il existe. Toutes ses actions, tous ses doutes et ses choix sont cohérents. C'est un des personnages qui évolue le plus. On l'aime autant, voire plus que le héros principal. Il est faillible, ce qui fait qu'on s'y identifie plus. Un petit peu comme Vegeta par exemple. Qui lui, par contre, contrairement à Pop, n'a presque jamais droit à son heure de gloire. D'ailleurs, en parlant de Dragon Ball, Pop obtient un bâton qui peut s'étendre à l'infini. Un peu comme celui de Goku, ou un peu comme ma bite. Bref, ça fait plaisir de voir ce genre de traitement dans un manga qui veut juste te faire passer un bon moment. Avec un scénario à base de méchants de plus en plus balèzes. D'ailleurs, les méchants putains, il faut en parler. Ils sont tous charismatiques. J'ai envie de vous parler d'Hitler, de Baran, de Crocodile et Junkel, qui est complètement un chevalier du Zodiac. Junkel. Même les révélations de pourquoi ils font le mal sont cool. Ça prendrait 10 ans de parler d'eux tellement je les trouve tous géniaux. Oh, bordel, je les adore! Je deviens fou. J'ai envie de parler de plein de trucs. Mais j'ai si peu de temps. Si peu d'argent. Abonne-toi à ma chaîne. Tout le long du manga, tu vas sentir une montée de level des personnages. Et leur montée en puissance. Elle est comme leur psychologie. Elle avance un petit peu à la fois. Et comme souvent à la fin des JRPG, le boss de fin, c'est une espèce de dieu. Car il représente la quintessence de la puissance. Et par conséquent, l'aboutissement de toutes les épreuves que tu as dû surmonter. Donc voilà, gros. Il y a la quête de Dai sans pression. Tu vas te taper. Cette vidéo terminée. Abonne-toi pour que je sois connu, que je gagne plein d'argent, que je couche avec Jessica Nigri dans chacun de ses cosplays. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Cette pute. J'aime les mangas. C'est toute ma vie. Sur ce, que le beat soit avec toi et garde le flow.